Celle-là, c'est la première fois que ça me le fait. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Putain, mais j'arrive. Je sais plus comment les prendre. C'est bon. Andria. Andrian, c'est nous, c'est. Allez, pour faire, venez voir le tirage, s'il vous plaît. Combien les enfants T'as dit combien? On en a pris un. Allez, ouverture du score de l'équipe de Christian Andréana Tseno. Mène 1-0. Putain, mais tu me dis non, t'as froid, t'as chaud, tu l'enlèves, t'as froid. Allez. Christian au point. Allez. Donc voilà. Allez, n'hésitez pas à partager. T'appliques avec le film un peu, ouais. Rien que c'est qu'elle a. Ouais, mais je vois qu'il fait pas grand chose par contre. On est bien d'accord. À part tourner en rond. Ça va, mon Ludo? Ouais, ça va, tranquille. Hein. Merci pour les réponses. C'est compliqué pour nous, on démarre avec du nouveau matériel, un nouveau logiciel. C'est prêt un peu, non? Non, c'est pas compliqué. Non. Ah, c'est pas un peu près, non? Non, rien. Non, ça va. Non, parce que rien. Après, le réseau, c'est peut-être pas terrible, non? Si, t'es en 5G complet. Mais là, j'ai eu une panne de réseau. Ça m'a coupé mon réseau complet. Ouais, j'ai regardé un peu ce matin, puis j'ai vu qu'il n'y avait plus rien. Non, mais ce matin, c'est moi qui fais une connerie, je me suis trompé de bouton. Mais le problème, c'est que quand tu te sers du matériel que t'as jamais touché. Bah, la belle série. Ah oui. Voilà, y a sa meuf. Ça sent très goût, mince. Ouais, là, bousquette au vernis avec un chaplain. Il y en a beaucoup qui sont. De toute façon, c'est partagé. Ça va être très vous et le plus. Là, il y a une première partie. Là. Claudie Coletta et Alex Vernil, ils jouent contre. Pas contre Moidieu ? Non, Moidieu, ils jouent contre. Chaplain. Moidieu joue contre Chaplain. Ça va, mon Yvé? T'as même pas mis ta casquette du coup, putain. Allez, on a la visite de notre ami Hervé Sellery qui est là. Je vais la mettre ce week-end. Donc voilà, notre ami, encore un administrateur du groupe qui est passé nous faire un petit coucou. Allez. Hier, ils n'ont pas arrêté de tourner. Ils n'ont pas gagné la partie des deux points. Allez, c'est où? Alors, Pascal, il y a mon ami Dimitri, il est censé te répondre. Normalement, on va le faire. C'est à Tarare, dans le 69, c'est le Grand Prix. C'est le challenge Isidore Roger. Voilà. Donc, c'est les 16e de finale entre l'équipe Andréana Tseno et notre ami Petrovic. Il joue avec Amotelli et Guy Chevrier. Allez.
On va se tirer à côté. Vous avez notre ami Franz qui joue avec Patrick Cassi et Yvan Alombert sur la série d'à côté. Voilà. Une belle triplette aussi parce que ben, Patrick a l'expérience titre de champion de France. Hein. Et puis Franz, ça tire très bien. Et puis Yvan, voilà, qui a quand même un peu l'expérience au point. Bien tiré. Allez. J'ai failli tomber en me levant des. Ah oui, tu m'as trouvé. Ah ouais. Ça a attaqué, ils sont encore là. Tranquille. Bah, ils arrivent juste. Oui, ils ont attaqué à 2h. Le tien, j'ai l'air d'escalier. Il est où le tien? Derrière l'escalier. Ouais. Elle était bien montée celle-là. Ah. Mais voilà, le terrain n'est pas facile. Mais 5 millions de vues grâce à Guy. 5 millions de suivis grâce à toi. Parce que vous avez besoin de me suivre ? 94. C'est vrai ? 97. Et je peux te dire que pour le moment tu n'es pas favori dans le sondage, je sais pas pourquoi. Comment ? T'es pas favori dans le sondage pour le moment. Non, c'est 100%. 100%, même pas 99. Même pas 1%. 100%. Tu leur dis qu'ils comprennent rien à la paix. Ça y est, ils vont avoir 1%. Ah, ils vont avoir 1% et Dimitri il a voté pour vous. Allez, vous êtes à 6% favori, les gars. Les stats sont faits pour être changés. Allez, il a bien gagné. Donc, Bojan. Et alors, si c'est un espagnol, il dira Bojan. Et ils ont démarré tous derrière, ils vous attendent. Ouais, je sais bien. On a peur de Hervé, il est là-bas, il est chiffré. Le concours, il a dit que vous n'aurez pas les mains à la première. Allez, s'il tape, il a une belle mène pour lui. Hein. Oh, elle est juste affranchie. Elle était bien tirée à la main. Salut Romaric. De rien, on est là pour ça. Merci David. Voilà, parce que Dimitri, on l'a embauché pour répondre aux commentaires, mais s'il ne le fait pas, ils attendent longtemps leur réponse, les jeunes. Regarde, il y en a un, il demande où on est Enzo Vernil. Voilà, tu es dit, là. Il est la première après les poules, donc c'est 16e. Voilà. Et il joue contre Bryce Denice, Sébastien Brunel et. Ah, j'ai mangé son prénom, ouais, mais son nom de famille. Ah. Allez, ils attendent parce qu'à côté nous avons le grand Patrick Cassi qui va tirer. Ils sont licenciés à la pétanque de Saint-Maurice-l'Exil chez notre ami Christian Bouillane en Isère. Voilà. Et avec Yvan, qui sont partenaires de notre ami De Souza Jérôme. Voilà. Belle triplette qui ont été champions de l'Isère triplette il y a 2 ans. Parce que cette année, c'est pas eux qui ont été champions. Allez, ils vont retirer. C'est vrai que s'ils tirent bien, ils peuvent avoir une belle mène encore. Ah, il a tapé. Il a fait passer sans doute. Parce que tu zoomes, boum boum boum, mais il n'y a que des cailloux. Allez, Teddy va pointer pour rajouter. Ils peuvent en faire 3 dans la passe. C'est bon, la régie a je
Je mets la caméra pour voir, je vois ça, je dis, allez, on passe le bonjour à Sébastien Mucca, qui est licencié à Moindieu des Tourmes. Un petit coucou à notre ami Sébastien. Allez, dimanche, je passe à Trévoux. Eh bien, pas de soucis, moi je serai au Puy-en-Velay dimanche. Je joue le triplette mixte avec Madame Bouvier-Angélique et Monsieur Ferry-Loïc, de la pétanque varsoise. Allez. Aïe, Guy a pris le bouchon. Eh ben, n'importe où. Allez, ouverture du score de nos amis. Allez, ouverture du score de nos amis en bleu. Donc voilà, avec un exploit de Guy. Il a bien tapé la boule. C'est dommage, parce que s'il prend pas le bouchon, il en avait deux. Maintenant, faut juste arriver à le faire marcher correctement. Mais ce matin, je me suis trompé le bouton, j'ai tout arrêté. Il y a un moment, j'ai vu qu'elle était tout retournée. Je dis, bon, j'allume, je retourne. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais tu sais, j'en prends du mal des fois de changer entre les caméras, des trucs comme ça. Tu parlais quoi là, le micro là, mais en fait, j'ai une table de mixte. Tu l'as sur ton Facebook ou sur celui de. Je suis du bureau. Non, mais ce matin j'ai. Parce que on a une table de mixage avec deux micros sans fil et, deux, et trois micros qu'on mettre là. T'as un micro là? Là non, c'est le micro de l'ordinateur qui fonctionne. Mais d'ici t'entends là. Oui. Mais le micro, la table de mixage et tout, en fait l'objectif c'est d'avoir les deux micros sans fil sur les joueurs et puis les trois micros là, mais il faut qu'on télécharge un driver pour la table de mixage. Parce que sur les MacBook, en fait, ça ne reconnaît pas les micros externes. Ouais, c'est un bordel. Ouais, ça vaut 2000 balles parce qu'ils vont faire 25 manipulations. Ah putain. Putain, mais je perds internet. Passe de 5G à 4G. Ah mais non, mais moi ça marchera tout le temps. Bah moi ça, ça marche là. Ouais, je suis désolé, j'ai des pertes de connexion. Je ne sais pas pourquoi, alors ce matin j'en ai pas eu. Pourtant t'en connais plus, non déjà. C'est quand t'as un abonnement 5G, le 4G plus, ça vaut plein rien ou quoi. Je pense que c'est le château de merde. C'est pas grave, on a le même ici, t'es chez qui? Bonjour à tous, et un peu coucou à mon ami Latra. Et ben on lui passera le bonjour, Sébastien. Moi ça marche sur toi.
Non, quand même que je perds la connexion. Comme ça. Sinon, je sors la clé 4G. Ouais, mais ton téléphone, ça me fait tout. Arrêter tout redémarrer. Mais non, je connais ta Wi-Fi. Ton Wi-Fi est en temps normal. Oui, mais j'ai pas la clé, je l'ai pas. Mais alors tu veux que tu cherches et... Ça y est, c'est revenu. Allez. Par contre, il aurait peut-être déconnecté celui-là, le connecter sur moi, pour éviter que ça pompe trop de puissance. On verra souvent ce que ça donne. Alors David, bonjour. C'est à Tara, dans le 69, à côté de Lyon, entre Lyon et Clermont-Ferrand, direction Clermont-Ferrand. C'est une petite ville sympathique, voilà, une présidence. C'est Philippe Masson. On remercie encore Damien Ruiz, qui est là pour l'animation du Grand Prix, et puis notre ami Ludovic Audax aussi, qui est à l'organisation de la table de marque. Allez. Sur les sondages, ça n'a pas changé. Vous donnez 92% des vainqueurs. Notre ami Adrien Asseno. 36 voix pour Adrien Asseno et 3 voix pour l'équipe de Petrovic. Salut mon Jojo, ça va? Alors c'est à Tarare, c'est le Grand Prix de Isidore Roger. Voilà. Allez, première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Équipe numéro 9 de Stephen Chaplin. Alors, salut Romaric. Alors, Guy Jouet, Teddy Amo. Et puis Petrovic Bojan. Donc voilà. Petrovic qui est un très bon tireur. Hein. Bojan. Allez, vous allez voir monsieur Cassie à la caméra. Il est là, juste à côté de vous. Hein? Aucun quoi? Ça va non plus? Je trouve aucun là. Mais est-ce qu'il ne l'a pas envoyé sur le jeu du Kodak si je peux te tromper? Allez, on est désolé, hein, on a eu des pertes de connexion. Non, mais il faudrait qu'on en coupe une des deux parce que tu vois, des fois ça. Tu vois? Vas-y, mais toi, ça me merde. C'est pas grave si toi, ça te coupe deux secondes. Oui, soit. Voilà. Soit. Ouais. Connecté. Mais si tu fermes internet en plus en même temps, cherche sur l'ordi pour une deuxième page.
Allez, je lui dirai, ça marche. Allez, Fab. La Tra. Très très bon, très très bon joueur. Hein. C'est pas souvent de le voir qu'à la milieu. Ouais. Généralement, il tire beaucoup de tête. Allez. Au moins 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Là, j'ai encore du mal avec la souris toute petite. Allez, belle accélération de l'équipe de Andriana Tcheno qui démarre. Mène de 4 points supplémentaires. Allez, on démarre la quatrième mène. Voilà, alors style atypique pour jeter le bouchon. Dim, on met la caméra sur le bout, un peu moins zoomé. Allez. Ouais, voilà. Oh. Deux grandes confessions de Rihanna Tseno. Allez. Bojan, Bojan, il n'est pas droit. Et ben Teddy qui va partir au point. Patrick Cassi toujours en course. Oui, Romaric, ils sont qualifiés pour les 16e. Ils sont sortis de poule en passant par les barrages. Allez. Allez, belle reprise de Teddy qui envoie Fabrice au tir. Fabrice il va tirer. Il tape tout de suite. Quoi. Ça sent pas bon pour nos petits bleus là, il va falloir qu'il fasse un effort. Allez, bien tiré. Ils en ont deux par terre, quatre boules à trois. Ça va être. Il va falloir faire attention. Allez, encore très belle reprise de Teddy. Voilà, Teddy qui fait une partie très sérieuse, hein, qui est un très bon pointeur, qui était avant, il jouait souvent avec Benoît Froment dans le rôle. Hein, Benoît Froment qui est sans doute un des meilleurs tireurs du circuit. Hein. Ouais, bah, allez. J'ai rencontré le championnat de club de la Drôme, ouais, qui est beau sans manche. Comment c'est pas Teddy. Oui. Ouais, très bon joueur. Très gentil, ça dit pas un mot. Allez, Fabrice au tir. S'il tape celle-là. Il en a trois par terre. Il a un petit brin de réussite parce que le ciseau lui a permis d'avoir le troisième. Sinon, il en aurait eu que deux. Et ils sont
3 boules à 2 pour l'équipe Andrea Nazzeno. Donc je pense que c'est autant vous dire qu'il y a le feu dans la triplette des Bleus. Alors, Frédéric Lecuyer, bonjour. C'est le grand, c'est le challenge Isidore Roger dans le Rhône à Tarare. Voilà. En triplette. C'est un 64 triplette, mise plus 2500 euros. Voilà, c'est un 64 triplette. Allez, vous êtes 49% de personnes, 49 votants pour dire que c'est l'équipe Andrea Nazzeno qui va gagner, donc ce qui fait 97% de victoire. Allez, on peut vous annoncer la qualification de l'équipe de Jordan Scholl pour les 8e de finale. Ah, Scholl, Jordan Scholl, il va m'en vouloir à force que je l'appelle Scholl, alors que c'est Scholl. Allez. Faut le gagner. Devoir le forcer à tirer sa dernière. Ça, j'avais une petite chiquette, un petit trou, ça peut arriver. Allez. Là, Trac, il va tirer pour faire une grosse main, encore une fois. Ouais, j'ai vu ça. Mais là, c'est pareil. En plus, il n'est pas très bien pointé, c'est pas tapé. Bon, nos amis Moidillard, ils ont moyennement joué, ils se sont fait battre par notre ami Chaplin Steven. Andrea Nazzeno tire. Il tire à 3. Ben non, il tire à 4 en fait. On aurait dit notre ami Bertrand de Moidieu. La même puissance, le même style. Il est tombé au bon endroit. Lui. Salut Cédric Murgia. Allez. Deuxième équipe qualifiée. Bah oui, sinon je parlerai pas. Dans les 8e de finale, l'équipe numéro 34. On a vu que c'est pas vrai. Alex, Coletta, Christophe, Cody, Chérez. Allez. Et il sera en VR. Parce que c'est le zoom. Cette partie se jouera sur la Web TV à la fin de la partie de. En fait, c'est le live, ça donne ça. Sur le live, ça donne ça. Ouais. Mais là, c'est parce que tu as le sondage, mais il n'y est pas sur le live. Il l'a, Dimitri. Donc voilà, tu peux voter pour ton favori. Bah, là, ce qu'on a perdu. Ça joue très fort. Ouais, je sais. Mais là, vous avez presque tous vu. Après, le problème qu'il y a, c'est que ces gens-là, que ce soit eux, que ce soit eux, que ce soit eux, que ce soit eux. Quand tu joues contre des gens comme nous, tu les carreaux. C'est quand ils vont s'affronter que ça va être plus. C'est peut-être plus tendu, ouais. Ah oui. Parce que tu les vois tirer là, tu les vois tirer dans les ministères à l'écoute, c'est sympa. C'est normal. Il n'y a pas trop autre chose aussi. Allez, en rouge, Fabrice et Christian et qui ? Et ben, et là, Atra. Voilà. Fabrice Yontaren, Christian Andrea Nazzeno et la Atra. Landrana Matavi. Ouais, j'ai raconté ma vie. Comme il dirait à notre ami Jean-Luc, il m'épate ce petit. Allez. Petrovic. Allez, troisième équipe qui a été tiers moyen. Numéro 15 de Maya Chouaï, Émissi Paris, Gérard Mourad. 15 attribués. 15. Pas couvert. Là, allez, Petrovic, il va falloir qu'il se réveille, parce qu'il est pas bien dans sa partie, hein. Il tire pas bien. Hein. Et lui, à mon avis, il va tirer au bouchon. Notre ami Guy, je pense qu'il va partir au but. Allez, notre ami Guy va tirer au bouchon. Alors, on passe le bonjour à monsieur Hervé Cédric qui est là. Voilà, parce que quand il est sur un terrain avec sa tenue d'arbitre, tout le monde en a marre, donc du coup, maintenant, il vient commenter. Allez, vous pouvez voir hein. Notre ami Alombert à côté, Yvan. Donc, voilà.
je pense que c'est la dernière boule de survie. Et ben c'est encore manqué. Je pense que. C'est, mais c'est à peine, il y avait combien? Bah, il reste une boule. Il y a 11. Il y a 9. 9. 9. 9 à 1. Ça vous a perdu. Mais ceux qui ont gagné, la Maïga Chaoui, très fort. Très très fort. Le champion du Vaucluse doublette, il serait peut-être. Oui. Même nous, notre compère dans les poules. Le champion de France en 98. Ah oui, c'est Lucas. Ah non. Lucas et le. Et l'autre est des champions de France en jeune. Et l'autre est des champions de, du département. J'ai vu trois champions aussi. Belle. Enfin, mais... belle équipe. Allez, Christian Brian-Latiano qui va essayer de rajouter. Il en reste une, non ? Non ? C'est pour ça que l'autre, il lui serrait la main derrière. Oui, il va ramasser. Comme ça que tu dois faire ça. Un peu de mal. Allez, il y en a deux par terre, ça fait 11, il reste 4 boules en main, autant vous dire qu'à mon avis, 4 il n'a pas tiré Fabrice, autant vous dire qu'à mon avis, ça va être très compliqué. J'y crois pas trop, je pense que le sondage va avoir donné raison aux votants, il y en a que 3, ils en ont 3 pour rajouter 1, je pense que... Je pense qu'on va pouvoir filmer la partie de notre ami Cassier à côté, on va la finir. On restera un petit peu dessus, mais on en coupera une de caméra. Hein ? Eh ben celui-là, il n'y a pas. Allez, Fabrice va être obligé de s'employer pour essayer de gagner. Ils ont pointé gagné. Sorti, moi c'est le bon plus. Allez. Voici la qualification de Jordan Scholl pour les huitièmes de finale. Il va tirer la case numéro 5 et il n'aura pas d'adversaire pour le moment. Donc Scholl. C'est 5 ans. Allez, on va basculer sur la partie d'à côté puisque il y en a beaucoup qui nous le demandent. On va passer sur notre ami Cassie. Allez, on va changer tout ça. Je vais tout vous changer, vous inquiétez pas. On va vous mettre à jour tout ça. Allez. Cassie en Bordeaux, en blanc, il n'y a pas, donc je vais mettre aussi il y a. Je sais pas, je vais essayer d'en choper un. Hein. Allez, voici la qualification pour le 8e de finale de la FA. Andrea Manassani, 15-4 pour le 8e de finale et actuellement pas d'adversaire pour le moment. Donc la FA, Andrea Manassani, qu'on retrouvera donc tout à l'heure 8 de pour le 8e de finale. Tiens, Boyan, tu pourras demander au monsieur en blanc de. Il y en a un qui pourra venir nous voir. Ouais, mais attends que tu joues, ça boule, voilà. Non, non, non. Il fallait qu'il vienne voir. C'est quoi ton nom? Rava, R-A-V-A-T. On me juste le nom de famille, c'est pour basculer dessus. Vous êtes combien? 200. Allez. Allez,
On va basculer sur un autre 16e qui se joue à côté. C'est notre ami, comme je vous l'ai dit, le grand Cassis qui joue contre l'équipe Rava. Voilà, donc Rava qui sont en blanc, c'est l'équipe Rava. Et l'équipe Cassis qui sont en rouge bordeaux et qui mène 5 à 4. Allez, voilà. Vous avez notre ami Cassis, il va passer à la boîte TV. Donc voilà. Depuis le temps qu'il est arrivé, Patrick Alibert, Yvan Alibert. T'es où arbitre demain ? Très beau. Samedi dimanche, bah ouais, mais bon, après. On a été sollicité déjà en janvier. Après le plus, on n'a pas beaucoup besoin de l'autre. Oui. Allez. Payet contre Cassis, tout à fait. Allez, on va fermer ce sondage. Et on va en ouvrir un autre. Allez, on va pas mettre de sondage. Tout le monde sait que le grand Cassis, il est imbattable. Monsieur Steven Chaplin, bonjour. Oui, bon. On va pouvoir jouer un premier huitième de finale qui va se dérouler. Bah voilà.